put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough for you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Shaker, yeah, she was a ball shaker. She shaked me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Oui. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un abonné, Clément. Clément Ragnarok sur Instagram, qui va affronter Pimous. Donc Pimous, vous le connaissez tous, les gars. J'ai essayé de prendre pour le duel de testostérone des personnes qui ont les mêmes perfs, le même gabarit. Donc vous voyez, tous les deux bras courts, à peu près la c'est même taille. Ouais, c'est similaire. Pimous, vous connaissez ses perfs, vous connaissez le physique qu'il a. On va vous présenter un peu Clément. Donc Clément, toi, t'es un RM, si tu peux nous en parler un peu. Bah, développé couché, ça. Micro, gros, il est trop loin. 165, 170. Squat, allez aux alentours de 220, 230 en fonction. Deadlift, 245. Ah, donc vous voyez que c'est pas un petit joueur. Il a aussi un très bon physique, vous le voyez à l'écran. Donc sur le premier duel de testostérone, c'était Pimous qui avait gagné. Il est 1-1. Trop facile, hein. Ah, mais c'était facile, faut me donner des vraies personnes. Donc aujourd'hui, on a pris quelqu'un de sa taille. J'espère te voir perdre pour une fois. En muscu, t'as pas perdu souvent. On va le mettre tout nu, je vais voir si c'est naturel. Et on va voir. Donc on rappelle les règles pour ceux qui connaissent pas le concept. Développé couché, soulevé de terre et squat. 2 minutes de repos, 3 séries sur chaque exercice. Le but, soulever un maximum de kilos. C'est ça. Vous êtes prêts? Bien sûr. C'est bon, on est bon. Tu penses que tu vas gagner? Non. Non, tu parles moi, je suis là pour m'amuser, c'est le principal. Okay. Si je gagne, c'est bien. Si je perds, ben, on peut pas être meilleur partout. Hein. C'est comme ça. Clément, tu connais, meilleur, tu connais la bête. Est-ce que tu as une petite appréhension? Je vais voir le potentiel en vrai. Et on verra ce que je peux faire. Hey, il est confiant. Il m'énerve. Il faut savoir que c'est sa salle. On a pu s'entraîner gratuitement aujourd'hui parce que c'est genre le mec de ah ouais, One c'est Fitness. C'est incroyable. C'est le petit chouchou. C'est le chouchou. Donc, je suis choqué. Donc merci à comment elle s'appelle? Merci à la directrice de One Fitness, ouais. Simplement. Donc merci à la directrice de One Fitness qui nous a permis de faire cette vidéo. Vous retrouvez ce club à La Madeleine. Je connais plus l'adresse, mais elle sera en description, les gars. Un pouce bleu, on active la cloche pour ceux qui sont pas abonnés. Et on est parti sur le bench, premier exercice, les gars. Allons-y. Ok, les gars, donc là, ils finissent leur échauffement. Et ensuite, Clément, il va commencer au bench. Chacun choisit la charge qu'il veut. Et le but, c'est de faire un maximum de reps sur 3 séries. Il y a un bon gabarit, hein. Dites-moi en commentaire, vous pensez qui va gagner, Clément ou Pimous? C'est maintenant, les gars. Il transpire déjà. Attention, attention, pas de triche, Albino. Allez, 1. Chaud, chaud, chaud. Et 20. Je sais pas ce qu'il prend celui-là, mais... Ah, il est très chaud. Il y avait combien là sur la barre? J'ai pas vu. 100 kilos. Donc 20 fois 100 kilos, donc de 2000 kilos. 2000 vraiment... kilos sur une série, les gars. Et je mettais un peu plus lourd. Deuxième. Donc la deuxième série, il charge un peu. Il charge bien, ouais. On a 2 minutes de repos et on est reparti. Très chaud, très très chaud le Clément. La barbe est plus longue, il a plus de puissance que moi, gros. C'est de la triche. Plus la barbe est longue et plus t'es puissant. Ouais, c'est ça a été prouvé, ça a été prouvé. Je suis désolé, tu regardes les power, ils ont tous de la barbe, gros. Bah oui. Là, c'est beaucoup plus simple. Donne une 20. Donne. Non, après, si j'ai des messages sexuels, tu vas regarder. Donne-moi ça. Il reste 30 secondes. Allez, le temps de se mettre en place. Si on est reparti pour la deuxième série, je te donnerai le top départ. Allez, il n'y a pas d'arnaque de secondes ou quoi. Elles sont énervées, ces bandes. Il faudra que tu me dises où tu les as achetées. Ah, bah ouais, bah tu m'étonnes qu'elles sont bien. Donc là, les gars, on est passé à 120 kilos. Hein. Attends, il te reste 10 secondes. Allez, on est parti. Allez, donne tout. 2. 3. C'est ça. 4. Allez, 5. Voilà, pousse avec les jambes. Allez, lâche pas. 6. Encore, t'en as encore. 7. T'en as encore. Allez, 8. Où est ça? Tu passes à 100? Je vais mettre 90. Des choix très stratégiques, très savants. J'aime bien. Il est réfléchi, j'aime bien ce monsieur. Ça change de bastos, frère. J'avais l'impression que j'affrontais un imbécile. Il voulait mettre toujours plus lourd. Le squat, je sais que je vais mettre lourd parce que je vais m'essouffler au niveau cardio. Ouais, c'est ça. Gars, il est déjà à 2960 kilos en deux séries. Nous, on avait fait 1000 kilos, je crois, sur le premier duel de testo. J'avais pris 80. Ouais. Non, mais avec Bastos, t'étais dans la facilité. Là, t'es obligé. Là, Bastos, je t'ai mis vraiment l'adversaire de taille. Tu m'as mis Bastos, j'avais aucune inquiétude. Vraiment, hein, je suis arrivé en détente. Ouais, les squats, tu les as même pas fait. T'as fait vite. Non, je m'en battais les couilles. J'ai mis 80, j'ai dit hop, j'en fais 5, c'est bon, salut. Donne le chrono. Je suis très nul sur les séries longues au squat. Je suis fort qu'en force. Ouais. Let's go. Allez, pousse. Là, c'est de l'eau à 90, les gars. C'est votre série de travail. Je suis désolé. Ça fait ça, mon mouvement, moi aussi. Combien? Ok. Encore une. On est derrière pour t'assister. Ouais.
14. Mon mouvement il ressemble aussi à vraiment, on dirait. C'est ça, tu sa mère, il fait ça. Ah, il fait là. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est incroyable. On ne dit jamais que c'est du cheat, que. Mais on dit tout le temps, tes amplitudes elles sont pas complètes. On fait que ça, on dit, ah, tu verrouilles jamais, nanana. Ouais, genre, elle fait pas en amplitude complète. On n'arrête pas de me dire ça. Ah, on n'arrête pas de me dire ça. Ouais. Ils n'arrivent pas à comprendre que t'as une morpho différente. Mais moi 140 vite fait pour que je fasse une rep ou deux pour que. Comme ça, ça me surprend pas quand je prends des 100. Donc là, les gars, premier round, 4220 kilos pour Clément. Eh, viens, on fait. Autant de kilos tu pousses, autant de calories on doit manger. Ça doit être trop bien, ça. T'inquiète pas que je vais bencher si je peux manger derrière. T'as mis combien là? 140 juste pour en faire une. Ah, là, tu chauffes, ok. Potentiation, frère. Non, ça va me paraître lourd les 100. Voilà. C'est de l'huile. Bon, t'en penses quoi là? Il est chaud, franchement, il est chaud. Je suis stressé. Si, si, t'es chaud, il est chaud. Et t'as vu, tu parlais de morphologie un peu avec lui, tu peux me redire ce que tu veux? Il y a la même morphologie que moi, vraiment, c'est les bras super courts, on dirait un T-Rex quand il pousse. C'est pareil que moi. C'est ça. Et donc lui aussi, il se fait embêter en salle, comme quoi il fait pas une amplitude complète. Mais au final, ses reps, elles sont validées, les gars. Complet, s'il pousse plus, son bras il se retourne, faut arrêter les conneries. Donc là, ça va être à toi, Albino, représente la FF, représente la famille. Bah lui, c'est le Pimousse de France. Moi, je suis le Pimousse d'Italie, frère. Eh, je te jure, je vais accélérer. Il y a une petite poussée d'adrénaline, ça me stresse. Je vais l'assister, Clément. Là, t'es à 1 minute 10 de repos depuis ton 1RM. Tu veux encore prendre une minute ou pas? Non, je veux juste du bon son. Ah ouais, tu peux mettre la musique. Ah, moi, j'en ai besoin. Là, je vais en avoir besoin. Comme j'ai si vu tes perfs, j'en ai besoin. Oh, moi, je prends pas de musique. Ok, on est parti. Première série. Bench. 100 kilos. Et il fait combien de reps, Clément? Donc 20 reps à battre. Il y a 100 là? Ouais. Calme-toi, 24, c'est ça? Ça va. 23, okay. On va pas commencer à tricher. Non, c'est pas de m'avantager parce que t'es mon cousin. C'est parce que j'ai parlé. Même lui, je lui ai demandé. 23, j'en ai compté 23. On s'est parlé à un moment donné, on a perdu le fil. Le triceps, il congestionne déjà, ça me saoule. Je reste à 100 pour l'instant. Donc 2300 là. C'est pas mal, j'espère juste que tu t'es pas cramé. Je déteste les séries longues. Non, ça me fait mal dans le triceps, je sens rien dans les pecs. Écarte un peu au pire tes coudes. Non, non, moins c'est là où j'ai le plus de force quand c'est serré. Et là, je suis pas dans une optique hypertrophie, je suis dans une optique de victoire. Donc il s'amène. Ah, lui, c'est ça. Hein. Il se bat pas contre lui-même. Il se bat contre les autres, moi. C'est pour ça que j'étais content de t'avoir trouvé parce que c'est difficile, tu vois, d'avoir des abonnés dans le Nord et tout. Et avec ces perfs là. 2, 1, on est reparti. Allez, 1. C'est n'importe quoi. 14. 15. Ok. 15, il a gardé 100 kilos. Hein. C'était déjà un peu plus difficile. Je vais rester à 100 et je vais en faire 12. Je suis une grosse chienne si j'en fais pas 12. Ma mère la pute si j'en fais pas 12, c'est bon? Toi, t'avais fait 100, 120, 90. Et toi, tu restes à 100 sur les 3 séries? Là, t'as 3008 et toi, t'étais à 4002. À la congestion. À la fin, ouais. Donc là, il te reste 400 kilos à faire. Tu fais 4 reps à 100, c'est plié normalement. Mais oublie pas, t'as les autres exercices, faut prendre de l'avance. C'est pour ça que je veux bombarder. Ouais, là, faut bombarder. 3, 2, 1, et on est parti. Allez, souffle. Ma bite, elle va monter, ça va pas, non? Ça va pas, non? Plus 12 fois 100. Moi qui décide combien je fais, faut pas déconner. 5000 kilos sur la première série, tu vas exploser ton propre record. Clément, t'en penses quoi de la bête, là? On verra sur les deux exos suivants. Il reste encore deux exos? C'est ça. On est d'accord. Bon, là, on va passer au... On avait dit squat. Donc là, on passe au squat, les gars. Il remonte facilement, okay. C'est de l'eau. Donc là, il s'échauffe, les gars. Il y a impressionnant au niveau des jambes. Là, c'est que l'échauffement. On rappelle juste 800 kilos d'écart. Donc s'il veut le rattraper, c'est maintenant. Voilà, les gars, il n'y a pas de no rep. Chacun fait par rapport à sa morpho. Et on est parti. 130 kilos. À 130 là, ouais. Oh là là. Bon, 1560 kilos là sur la première série, tu repasses devant, Clément. Allez, on est parti. C'est parti. Deuxième série, il y a rajouté du poids? Ouais. 150 kilos. C'est un malade mental. Voilà, très bien. Une bonne morpho pour le squat aussi. Ah,
6. Ok. Bien joué Clément. On a 2460 kg en deux séries. C'est énorme. Mais tu vois, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'au bench, on va avoir tendance à faire plus en termes de kilos qu'au squat. Parce qu'au final, vous êtes tous les deux plus puissants sur les jambes, mais là, le cardio, il limite vos perfs. Mais au bench, je suis pas loin de mes perfs cuisses, hein. C'est honteux. Hein. Ouais, ça c'est pas normal par contre. C'est honteux. Bien gros. Ah non, mais toi, t'es dangereux, toi. Hein. T'es un fou. Et on est reparti. Il y a une grosse barre, hein, l'air de rien. Allez, toi, troisième série. Perf, là, attention. Ça monte. Ok, bien joué. Que Dieu. Jésus-Marie. 4 à combien ? À 170. Vas-y. Note. Clément, 4 x 170 après 3 séries de squats. J'ai envie de vomir. Non, mais 4 x 170. C'est dur. C'est très dur. Il ne saura pas nous faire le calcul, les gars, mais ça fait beaucoup. Moi non plus, je m'y risque pas. Mais il a mis quand même la barre haute. Maintenant, c'est au tour de Pimousse pour ses 3 séries de squats. Ok, première série, 100 kg. Ah, il va essayer de tout donner hein, parce qu'il met beaucoup moins lourd. Allez, envoie. Ah, c'est mieux pieds nus, il a raison. Ah ouais. Il va me confirmer la perf quand même. 12. Ouais, c'est incroyable. Sur mon portable. Il y a chaque fois dessus. Mais quoi ? N'importe quoi. T'es mollet. Ouais. Là, il a grillé. Il a grillé les mollets. Même dans le jogging. L'homme au mollet. Combien de reps ? 12. 12, on est d'accord. Ok. Ok, donc la deuxième série, vous avez vu le plan, il a changé. On a filmé au téléphone, on a eu un petit souci de batterie, mais le temps de repos a été respecté. T'as fait 8 reps à 100 kg. 10, arrête de me baiser, toi. Tu tiens, mon cousin, tu veux me baiser. Je veux qu'il perde. Enfoiré, quoi. Ok, troisième série, les gars, ils gardent la même charge. C'est bon. Ok. Tranquille, je t'ai dit, stratégie. Je vais pas me filmer maintenant. 10. 10 à 100, on rajoute 1000 kilos. Toujours devant. C'est du cardio gros. Ok, 130 kilos, première série au soulevé de terre, les gars. Donc là, les perfs, elles diminuent, hein, c'est normal. Hein. C'est normal, c'est la fin, gros. Il y a une 1RM à 260 sur cet exercice-là. Mais vu ce qu'on a fait avant, vu ce qu'ils ont fait avant, on baisse un peu. Après, on fait des perfs au curl. Ok, bien énervé le garçon. Je suis un peu effrayé. Ah là il a mis la barre. Là par contre, là il a mis la barre très haute. Mais... il s'est dit c'est le dernier exercice, je donne tout. Ouais mais sauf que là, tu vois comment il est essoufflé. Mets-toi dans le cadre. Attends la deuxième série. T'es sérieux? Bah là il s'était bien du rebond, il allait pas chercher jusqu'en haut, mais ouais, les reps elles sont valides. Intelligemment. Le problème c'est que le rebond il est très solide, c'est pas des fois que m'a mené. Ouais c'est solide en dessous. Ouais. Bon en tout cas je crois qu'on l'a entendu jusqu'au premier étage. 19 j'ai compté. Au pire on verra la caméra de façon. On met 20 de façon à la cam. Mais je mets 20. Hein. Mets 20 comme ça on est large. Ouais. Ça va vomir fort dans la poubelle ici. Hein. J'en ai rien à foutre gros, je vais vomir s'il faut mais je vais pas perdre. J'en fais 30. Hein ? Non, je viens. Hey, t'en fais 30, j'en fais 40, je te le dis. Hein. Si je dois me blesser, tant pis pour demain. Allez, on peut se mettre en place. 2, 1, let's go. Et on envoie. Incroyable. Il voulait plus s'arrêter, ouais. Je le voyais qu'il était mort, hein, il continuait. Enfoiré. Abusé. Et ce monsieur travaille après. Ça va être très, oh lolo lolo. Ça, ça compte comme une séance en vrai. Hein. Bah là, c'est costaud. À la fin, ça compte comme une séance de force. Ça va. Moi qui voulais faire le dos après, je sais pas si je vais le faire. 5 secondes. Allez, hein. Allez, dernière série. Allez, gros. Tu vas chercher les dernières. Ah, il est là, Clément. Allez. J'arrive, on finit. J'ai vu que c'était sa dernière. Bien joué, bien joué, c'était beau. Le vomi, le vomi. 12. 7000 kilos sur un exo, il a fait. En gros. Il n'a pas fait semblant.
je vais rien perdre du tout. Il me faut 46 reps à 130 pour passer devant lui. Non, c'est mort. Combien t'as fait? 20. 20 reps à combien? 110. 20 reps à 110. Ah. Terminé, winner. On n'a pas regardé les rushs encore, donc on sait. Ouais. En vrai, on n'est pas sûr de qui a gagné, mais normalement j'ai gagné. Normalement. Aïe. Mais il s'est donné sur le soulevé de terre. J'ai failli vomir. Ah, mais j'en doute pas, j'ai vu. J'ai eu mal au ventre pendant 20-30 minutes derrière, facile. Bah, moi, franchement, sans te mentir, j'ai eu mal aux jambes 3 jours après. Ah, et le lendemain, les courbatures. Oh là là. Le pire, c'était les jambes. Ah ouais, ouais. T'as eu mal, mais les jambes, c'était horrible. C'est fou, j'ai fait jambes il y a 2 jours, sinon j'arrivais pas. C'est impossible. Dernier truc, et au final. Lui, il a fait derrière et il est arrivé à un score super proche du nôtre parce qu'il a fait des charges légères. Ouais, c'est vrai. Au squat, j'ai mis 60 kilos, j'ai fait quasiment comme vous, je crois. 30-40 reps, il faisait. N'importe quoi. C'est de la triche. Je vous arnaque. C'est de la triche. Donc, prochaine fois, pour les règles, on mettra une charge fixe, tu vois, comme ça, il n'y a pas d'arnaque. Une charge minimum par rapport à quoi, ouais. Bon, les gars, on se retrouve dans le bureau parce que Clément, il devait travailler. C'est pour ça qu'on l'a pas vu à la fin du training. On a fait les comptes. Il me semble que Pimous a gagné. Donc là, Clément l'apprend aujourd'hui. Donc, défaite de Clément, victoire de Pimous. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a de la triche, Clément? Zéro triche, je suis témoin. Il est bon joueur. On a essayé de respecter les temps de repos à chaque fois. Franchement, c'était millimétré. Ouais, c'était carré. On avait le chronomètre et tout. Ouais, c'était carré. Voilà, j'espère que vous êtes content de l'animal qu'on vous a ramené hein, parce qu'il est à la hauteur de Pimous, aussi, les gars. C'était franchement deux Golgoths, c'est lourd. J'espère que ça vous a plu. Ah, j'ai trouvé mon rival, ça y est. Hein. C'était lourd, hein. Franchement, respect. Donc voilà, il y a des bêtes dans le Nord, les gars. Le Fit Game, c'est pas seulement à Paris, ni à Marseille, il y en a aussi à Lille. Ah, c'est ça, hein. On a le sang chaud. Ouais, c'est ça. Hein. Donc on n'oublie pas de liker la vidéo, de commenter aussi, ça aide au référencement, les gars. Et puis c'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de Clément Ragnarok. Voilà. Pimous et Didio. Force et fun.